ko baben kadi deuxième personnalité c'est énervé ya ke le modon kon no tawiri di do fo di hawto diri kono be mawbe do be wadana kadi do fo si tawno no mojjo no hakkune makko kanko mamadi dumbo ya odo dum wadaino réponse on ko simple wadatano joni non klanji di ngombe wadde be non joni cippiro ngom fi ittugol mo kanko andite non fe ondo be yutuno États-Unis mois de juillet be ngandi ko hikko ino don ko mois de septembre on ko innoygol be retiri hande kadi wadugol ordre de mission jidin juude makko kanko amara be jetti be konfi don hande kadi kanko Bernard Gomu andito non Bernard Gomu e makko kanko amara ino consider hore mum comme étant forestier plus que ko woni wadi hore makko comme malenkajo paninkajo pourquoi ide ngandi be masanta ben ko be tawbe ide ngandi taw deja kanko mo marita bonnere ndo wadi kanko amara par rapport e be masanta be ko tawno be soki o wiyete don Allah hinno lunseni kamara ha o maye kaso be masanta be yeggitanaali mo dum non mo mari dum don ko tawata mo darode ko honno rectifierta hande do non communauté forestiero minata de on detail non parce que minati on do mi compromettre ay goddingo ande tum gum si tawi ko ko wadi do ko wadi o noddali mo kanko Mamadi Doumbouya parce que mo andi position Mamadi Doumbouya ko noddi ko won don intérieur o yini mo walla no di ordre de mission jido wadira déjà di mo jogi on autorité don kanko kanyum gum o jonna no ma on autorité joga gol passeport de service jidin ko on fokkitro arata yeta mo fokkiti o jonna mo o signa na mo ordre de mission on tigi ya wada mission on arta mais fi kanino kon don kadi wadi dun don par rapport e arnobe ben ka délégation landi kaydi américain be ngandi fi dun don on ko do wadi fewno do passeport jigine en didin di considera ka fusi no considera passeport guinéen mo dina do gibi mois de juin ha hewti ganin on do haray on tigi ko invalide haray na o valable ko faux ko fake ko mi woni on e jonnede di do faux no mi wiri on non si cede ala hakil no nyawa mi do jonnude on non seulement non indice jidin repère jidin fiyo yu ko moné wolde kon dun do wonta non hande kadi on cede mo hakile modon de wata gollitelde donc no mi wiri on non on fop on yidi dans les médias ko be wi ko wonde mak baybe fokiti ko on non onoddi fiyo non onodda no Mamadi Yoyi Nabon en tant que président de la république hida ande a jonnino lan a wadino décret mo tawata a jonnino lan mo tawata ko ministériel to jama no mi wiyo non fi en gayno on chapitre don mi anda hélicoptère on kon non circulani mi anda bayna mi fi mi anda fes mais mi do andi si non hélicoptère circulono mois de décembre 2021 mo be innuno jama on fo ka palais Mohamed 5 yo évacuer golle no wadede finalement bay en hendo ki information ji din ko kanko formateur jama ko Mamadi Doumbouya formu do mo en France fewndo ka wonno ka légion immi ari tipi Sénégal bay avion makko watano arde hewta la Guinée hélicoptère ko yahano mo Sénégal addi mo en katimini fewndo tawno France no soudude wonde maybe soutenir mo parce que en tant que formateur yo makko ho officier jo ka armée française si ari no honto madun non compromettaino be hari toninaino be kambe fewndo tawno hari be dartodude be dido non dayer mo jantano be mo jantano mo kanko Mamadi fewndo tawno hari honto maybe faminande Mali wonde mabbe wadai axe Conakry Bamako Ouagadougou fewndo honto may dun non arrangatano mo donc o soudiri sabudum o yakanyun kadi soudiri argol mudum gol fiota communauté internationale yo opinion wata andu France no baaw kanyun jenton ton de ngandi men en tigi honto mo ngina non hina gonga no kono ko sendi men e wobbe go on so doute si information jonnama men doutaimo men jonna position amen on e ko men andi ko haayer ka men andi don men continue enquête idi me yarata nyitu men ugino nyande no me ye ha men hebi bangandu e on e mum me yalta e kanyun kadi me rectifiatiro men ina on jaka ko dum do waduno on tuma be yaltuno ala communication jidi be watno ko men wonno les seuls inno don même si tout n'a pas été dit mais au moins c'est dit parce que men hebo no information wonna mako ngarno tipi jonnon do haunaki yo taw kanko Mamadi o huifabo e kambe français ben yo be arbe wallitomo on mo tawata on don ko français jo on nelana mo yon ar ewto nokkure den yewtida e makko o utiliser on ko ari ko hulbingo luttube en famina be wonde ma hanjo mi do wonde France go son itti lan do be do jabata dul lato France ne limo kadio ar o yeto do konko tawata gasata e telephone
Beneli on emisse joari o heuti o jetti kun avion o heuti o yiji e mako yeta gol ma wanda ma he murandu nga gayni jiba de goy paske ta on siko ko be toro yido mbudi kon Dubai kadi ko sans conséquence non ça des conséquences une conséquence jiko honno ko sifani messi alpha konde kanyun kadi hebirno financement on naten don non joni sujet mbudi din messi alpha konde kanyun kadi hebuno finance hebuno promesse de financement de 20 milliards et ngandi ti on accord non ko kanyun kasori fofana yawno négocier dun non haw hebi dun en 2018 20 milliards de dollars donc ko kon don yidi hande do be towna do 7 milliards hebe duano d'ailleurs hersode be duano hersode parce que mawdo mo be itti on kanyun waawi be hebande plus que din non juude chinois ben ko tawata ko dun don français be woni yidale français be ngontuma jetti no prometti messi alpha conde 10 milliards donc pour un total de 30 milliards et tawata lagine no prometta jon non de 30 milliards yo goddo yimo ara weltora do 7 milliards itawata yimo foda c'est une de konon hersata sincèrement vous devez avoir sincèrement honte vous êtes des jeunes et vous avez dit avoir fait un coup d'état contre un vieux que vous avez estimé qu'il n'a rien foutu. Vous avez dit que ce vieux-là n'a rien fait. Aujourd'hui, vous êtes en train de brandir un trophée de 7 milliards de promesses de financement. Ce n'est pas de l'argent que vous avez reçu, hein. C'est une promesse que vous êtes crédible à hauteur de 7 milliards de dollars. Alors que M. Alpha Condé, avec le fonds chinois, il avait pu obtenir en 2018, via son premier ministre, M. Kasori, 20 milliards de dollars. Et lorsque la France a vu que ils étaient en train de perdre aussi le terrain, ils ont promis à M. Alpha Condé à Paris 10 milliards de dollars. Donc vous faites la somme, c'est 30 milliards de dollars pour un président que vous avez enlevé. Pour un président que vous avez débarqué. Et vous êtes là aujourd'hui à brandir le trophée de 7 milliards. Si toutefois vous voulez convaincre les Guinéens qu'on est sorti de l'auberge, et que la Guinée va bientôt avoir de l'argent qui va pleuvoir, parce que c'est ce que vous êtes en train de prétendre, c'est ce que vous êtes en train de faire croire à ceux qui sont analphabètes, que la Guinée a obtenu cet argent, et c'est ce que vous êtes en train d'insinuer à ceux-là qui ne savent pas comment fonctionnent les finances, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous allons partir sur un exemple simple, sur l'exemple d'une personne qui réside à l'étranger et qui a accès à des crédits. Disons la carte de crédit. La carte de crédit, pour l'avoir la toute première fois, on fait ce qu'on appelle l'enquête de crédit. L'enquête de crédit faite, on voit la solvabilité de la personne. C'est-à-dire que la personne occupe tel emploi et voilà les charges de la personne. Donc, compte tenu de ces charges, on pense que la personne est en mesure d'amortir une dette de tel. Dans un premier temps, on donne à la personne une carte de crédit d'une hauteur ou d'une limite de 1000 dollars, disons, pour faire simple. Les 1000 dollars, c'est la capacité de la personne à éponger sa dette. Voilà pourquoi on lui donne 1000 dollars. La personne fera avec cette carte-là une année et on verra sur cette année-là comment la personne est en train d'utiliser l'argent et rembourser l'argent, bien entendu avec un taux d'intérêt. Au bout d'une année, si la personne n'a jamais manqué le paiement, elle devient crédible, on augmente sa limite à 2000, à 3000, à 4000, à 5000, en fonction de sa crédibilité. Au bout d'un certain temps avec cette carte-là, disons 3 ans, 4 ans, 5 ans, la banque proposera à la personne ce qu'on appelle une ligne de crédit. Cette ligne de crédit, également, on va faire l'enquête de crédit pour voir la solvabilité et la capacité de la personne à rembourser sa dette. La différence entre la carte de crédit et la ligne de crédit, c'est que la carte de crédit, que vous l'utilisiez ou pas, il y a déjà un montant, il y a un pourcentage qu'on est en train d'appliquer, d'ailleurs, qui est plus élevé le plus souvent. Et à chaque fois que vous faites une transaction, il y a des frais que vous êtes en train de payer à partir du moment que vous avez utilisé la carte. Alors que la ligne de crédit, on vous octroie un crédit, donc l'intérêt n'est applicable que lorsque vous commencez à utiliser et l'intérêt appliqué sur le montant que vous avez utilisé. C'est ça la différence. Donc la ligne de crédit, son avantage, c'est que vous avez plus d'argent. Et cet argent-là, c'est comme si c'est du liquide qu'on vous donne. Et l'intérêt étant déjà moindre par rapport à la carte de crédit, n'est appliqué que lorsque vous commencez à utiliser. Pourquoi nous avons donné cet exemple?
c'est parce que si la Guinée n'a été crédible qu'à 6 milliards de dollars, alors qu'elle avait été dans un temps à 20 milliards, à 10 milliards, ainsi de suite, ça veut dire que le CNRD n'est pas crédible. Parce que le montant est fonction de la crédibilité de la personne. Ça déjà, vous devez savoir que c'est une sorte de rétrogradation de la Guinée. C'est une sorte de perte de vitesse. C'est une sorte de perte de niveau ou de rang de la Guinée. J'essaie de trouver l'expression. C'est une dévaluation de la Guinée qui s'est faite. Parce que si avec tout ce tintamarre, il n'y a eu que des bailleurs à hauteur de 7 milliards, et entendez par là, ce sont les pays qui sont moins regardants, hein, par rapport à la bonne gouvernance, par rapport au bon fonctionnement d'un pays, qui ont accordé ce montant. Si la même chose était faite au niveau des pays qui sont des pays démocratiques, vous allez voir que la Guinée n'allait même pas avoir accès au crédit. Si peut-être toutefois ils allaient avoir accès, c'est peut-être 2 milliards. Ça, c'est au maximum, au bas mot, c'est ce qu'ils allaient avoir. Donc, en d'autres termes, comprenez que c'est une rétrogradation de la Guinée qui s'est faite là. Deuxièmement, c'est une promesse de financement. Cette promesse de financement, contrairement à la ligne de crédit et contrairement à la carte de crédit, ce sont des projets qu'ils vont financer et ce sont ces projets-là qui doivent donner la garantie et qui vont susciter l'intérêt pour qu'ils financent. Là aussi, on va faire l'exemple simple. La Guinée, en 2018, a obtenu avec le fonds chinois cette promesse de 20 milliards. Mais jusqu'au moment, jusqu'à la veille du coup d'État, de 2018 à 2021, on avait pu décaisser que 2 milliards, si je ne m'abuse. Sur les 20 milliards, la Guinée n'avait pu décaisser que 2 milliards sur les 20 milliards au bout de 2 ans. Au bout de 3 ans, de 2018 à 2021. Que 2 à 3 milliards. Vous pouvez me corriger dans les commentaires. Or, le CNRD n'a que combien? N'a que quelques mois. 10 mois qui restent sur la transition. Si M. Alpha Condé, étant un président démocratiquement élu, jouissant déjà d'une certaine autorité sur le pays depuis 2010 jusqu'en 2018, n'a pu débloquer qu'à peu près 3 milliards sur les 20 milliards, vous devez comprendre par là que ce n'est pas de l'argent qu'on met à ta disposition, on te dit « dispose, fais ce que tu veux ». Non, ce sont des projets que l'État doit présenter et les bailleurs vont regarder l'amortissement qui pourra se faire, par exemple les routes, si on prend l'exemple d'une route. Si on dit qu'on va financer une route pour aller, par exemple, à Bamako, ils vont voir cette route-là, qu'est-ce qu'elle va apporter à la Guinée pour que la Guinée puisse avoir une plus-value, pour que cette plus-value-là puisse permettre à la Guinée de payer la dette. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on parle d'une usine, par exemple, ou d'une centrale, ou quoi que ce soit, l'information que nous avons reçue, c'est qu'ils vont utiliser cette pénurie d'électricité pour dire que le besoin est là, les Guinéens en ont besoin, donc allons sur le financement des centrales. Or, nous avons déjà des centrales qui ont été financées, la dette est là, nous n'arrivons pas à payer ces dettes-là. Et déjà, les agios commencent déjà à s'appliquer. Donc, pour faire...